Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui parce que je suis à Nice et je visite le parc Phoenix qui est un parc animalier et botanique. Donc j'en profite pour vous faire un petit tour de caméra de cette immense serre, très intéressante d'ailleurs au demeurant, de ces plantes consonance tropicale. Voilà. Ce bananier est énorme. Comme cela, on peut les voir, ils sont gigantesques. Il y a des oiseaux dans la serre, c'est assez marrant. Donc ça me donne plein d'idées, l'installation dans le jardin. Alors sur des plantes qui sont assez rustiques quand même, parce que nous avons pas les mêmes températures qu'à Nice, faut être honnête. Du coup, ça me permet de voir ce que je peux installer. Là, on a un bassin avec des fleurs roses. Alors, une fougère impressionnante, cette fougère. Très impressionnante. Alors là, on peut mieux voir les flamants roses. Et je gère la caméra en même temps le bébé. Hop. On a vraiment des variétés très intéressantes. Ça c'est superbe. Cette grappe que ça fait. Alors bon. Carrément une serre aux orchidées. Et on va y passer après. Je suis désolé, on entend peut-être un peu les avions parce que le parc se situe à côté de l'aéroport de Nice, donc forcément les atterrissages et les décollages se font entendre. Allez, on poursuit la visite. Alors là, un espace un peu plus aride, j'ai l'impression, je sais pas, en massif. Peut-être pas. Alors je ferai pas le tour forcément là-bas, parce que j'ai la poussette dans le coup compliqué, mais voilà. Alors, le cœur y est. Donc, le bananier. Les orchidées.
c'est parti pour le quartier des Fougères. Ça descend bien, on va aller voir le crocodile. Descends, on va aller voir le crocodile. Pour ça qu'est-ce qu'il y a dans la poussette. On n'a pas besoin pour apprendre qu'on est sur la. Non, hein. Il y a le crocodile. Cela est impressionnante de hauteur. Le tronc de la Fougère, impressionnant. La partie cactée. Là, il fait chaud là. Ça fait penser à quelque chose de très illicite.